3, 2, 1, ferrage. Il a un poisson. Oh, il a un gros, il a un énorme brochet. Il a un énorme brochet, les amis. Ouah. Un très gros brochet, les amis. Ah ouais, il fait 80. Salut à tous, les amis, et bienvenue sur la dernière vidéo de l'année sur ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir de la pêche au vif avec de très nombreux poissons ainsi que de plusieurs très beaux poissons. Donc, écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous souhaite un bon visionnage. Les amis, j'ai un beau départ au vif. J'ai un beau départ au vif, je suis coulé un peu au bord là. Donc le bouchon est complètement coulé, donc ben, on le voit pas. Ça remonte le courant. Là on va peut-être le voir là. Non, on le voit pas parce que c'est trop en hauteur. Donc là je vais ferrer. Je pense que c'est un petit brochet de 45. Allez, ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Ah, c'est quoi? Oh, c'est un joli cendre. Oh les amis, regardez, j'ai un beau cendre. Voilà, un beau cendre. Ah, il tient le fond. Ah, il y a un joli cendre. Un beau poisson. Voilà. Premier poisson du jour. Beau cendre, magnifique. Ah, il est... On va le terminer de laisser combattre. Et on va aller le récupérer. Et voilà. Les amis, regardez, un petit cendre qui est piqué juste au bord. Il doit faire environ 45 cm. On va le remettre à l'eau. Entrée. Il adore mon épuisette. Il veut vraiment pas partir. C'est pas incroyable, pourquoi il veut pas se barrer celui-là. Bah là j'essaie de le relâcher mais il veut pas sortir l'épuisette. Il veut pas. Il a vraiment du mal. Comment? Parce que je remets mes poissons à l'eau. Ah bah c'est bon, il s'est barré. Super. C'est un fat broc. Ou un silure. Il y a moyen de faire un silure, si il y a moyen de faire un silure comme ça. Oh là, oh, je suis coulé. Je sais pas si vous avez vu les amis. Mon bouchon a coulé d'un coup complètement. Les amis, je me suis fait attaquer. Là, j'ai un départ au vif. Regardez, mon bouchon part en coulant. Il va partir dessous. Vous voyez, là, il coule un peu. Et là, il part dessous. Donc, je ne sais pas si c'est un gros ou un petit poisson. Il a changé de direction assez vite. Quand ça change de direction assez vite, généralement, c'est un petit poisson. Donc là, le bouchon n'est pas totalement coulé, mais je pense que j'ai un départ. Donc, on va laisser passer un peu. Je ne sais pas du tout s'il est encore dessus. On va voir ça. J'ai un gros gardon, donc on va attendre un peu avant de ferrer. Allez, ah j'ai un problème dans mon moulin, si c'est bon. Ferrage dans 3, 2, 1. Ah, il a recraché. Il m'a mangé mon vif. Les amis, il m'a arraché mon vif. C'est une blague. Compris? Allez, là, on va bien le laisser partir. Ça coule profond d'un coup. Après, c'est peut-être des petits cendres. S'il y a des petits cendres de 35, là, je vais tous les... Mais là, il part à vie. Le fil, il se tend à mort, là. Regarde le fil, là. T'as vu la tresse? C'est fat? Non. Ouais, c'est pas dégueu, ouais. C'est pas dégueu, mais c'est pas non plus... Oh, c'est pas énorme. Mais ça fait beaucoup de têtes quand même. Ouais, ça fait beaucoup de têtes quand même. Hein. C'est un petit broc, je pense. Oh, c'est un fat. Oh, c'est un beau cendre. Je t'ai dit, c'est un cendre. Oh, c'est un joli cendre. Oh, c'est le premier ça. Vas-y. Il piquait juste au bord. Et voilà, les amis, un joli cendre de 47 cm qu'on va remettre à l'eau. Et voilà, il est très bien reparti. On ne l'a pas gardé pour le manger. Les amis, j'ai un départ au vif, juste dans mes pieds, là, juste au bord. Je suis complètement coulé. Mon bouchon est complètement coulé. Je pense que c'est un brochet. Donc écoutez, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit bien. Et puis je vais ferrer. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Oh, c'est un joli brochet. C'est quoi? Ouais, ah bah il s'est décroché. Et c'était un beau brochet. Dommage. C'était un 60, je pense, à peu près. Les amis, regardez, j'ai un beau départ au vif. Donc là, il est bien coulé. Il remonte le courant, donc c'est peut-être un gros. On va laisser manger un petit peu. Ouais, il plonge profond quand même. Allez, on va laisser mordre un petit peu quand même. Je sais pas si... Non ! C'était énorme. T'as vu, c'était énorme. Les amis, on a encore un départ au vif, là. On va laisser manger un petit peu. Ça fait 6 secondes, mais il est parti depuis longtemps. Et il coule vraiment très profond là. Je vais peut-être ferrer, non? Oh, c'est très gros. Ah, c'est un beau brochet, les amis. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Non! Il a encore décroché!
les amis, donc on a un départ au vif pour mon ami. Regardez, son bouchon est sous l'eau. Donc un beau départ au vif, le bouchon est bien coulé. Il est vraiment bien coulé. Allez, il va attendre un petit peu avant de ferrer. Vas-y, là, tu peux aller. 3, 2, 1, ferrage. Il a un poisson. Oh, il a un gros, il a un énorme brochet. Il a un énorme brochet, les amis. Oh, le rush. Oh, il a un énorme brochet. Il a un énorme brochet. Non, non, il doit faire 75, celui-là, 70-75. Mais c'est un beau poisson. Allez, travaillez-le doucement. Sur un tout petit gardon, là, on a un beau combat. Un superbe combat. Ouais, ça a l'air d'être un beau poisson. Regardez, il tire jusque là-bas. Allez, il prend du fil, il prend du fil. C'est quoi? C'est... Ouais, c'est un beau brochet. C'est un beau brochet, un beau 70. Il est piqué vraiment juste au bord. Il est piqué juste au bord. Regardez, les amis, un superbe brochet. Allez, on va le mettre dans l'épuisette. Vas-y, mets-le mieux. Fais l'avancer un petit peu. Non, il est pas dedans. Là, il est dedans. Ouais. C'est bon, magnifique. Et voilà les amis, donc regardez un magnifique brochet très très gras de 75 cm. Un superbe poisson qui a fait un beau combat. Les amis, on a un beau départ. Mon ami a encore un beau départ. Donc le bouchon est vraiment coulé très profond. Ouais, tu fais quand tu veux. Il fait. Il a une toute petite perche. Il y avait un énorme départ et il a une toute petite perche. Une jolie petite perche. Magnifique. T'as un départ immédiat là. Départ immédiat encore pour mon ami. Il fait. Il fait. C'est un tout petit brochet, un tout petit bébé brochet, le quatrième poisson pour mon ami, il fait 40 cm, un minuscule poisson, par contre il fait un beau combat, mais il est vraiment tout petit, il est piqué juste au bord, un beau poisson. Les amis, j'ai un départ au vif, mon bouchon est complètement coulé là, il est complètement coulé, et ça avance assez vite. Ouais, le fil se tend, donc je vais tendre mon fil et je vais ferrer. Oh! Oh, c'est un gros fiche. Ouais, c'est un beau brochet. Oh, c'est un énorme brochet. Les amis, j'ai un beau départ au vif. J'ai un beau départ au vif, mon bouchon est bien bien coulé. Regardez, ça part vraiment bien. Alors, on va ferrer. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Et c'est un minuscule brochet. Un minuscule brochet, il fait un beau combat, il tire très fort. Regardez ça. Un tout petit brochet, je vais essayer de zoomer. J'arrive pas à zoomer. Mais il est vraiment piqué juste au bord. On va essayer de le faire se décrocher. Comme ça, il pourrait se décrocher comme ça. Oh, il fait un super combat par contre, purée. Il est vraiment très très énervé. Les amis, départ au vif pour mon ami. Donc son bouchon est coulé sous la surface. Donc voilà, il va bientôt ferrer. Il va attendre un tout petit peu. Voilà. Vas-y, ferre-le là. Il a un beau brochet. Ça, c'est déjà plus joli que celui que j'ai pris juste avant. Là, on a un beau brochet de quasiment maillé, je pense. Ah oui, un beau brochet bien gras. Et les amis, mon ami a un départ. Vas-y, deux poissons en même temps. Mon deuxième ami a un deuxième départ. Vas-y, laisse-le partir encore un tout petit peu. Allez, vas-y, et tu peux essayer de le ferrer là. Il ferre. Il a un tout petit, un autre brochet. Les amis, doublette brochet. Regardez, on a un brochet ici et un brochet là. Oh, c'est la folie. Et là, on a un brochet d'environ 50 cm. On a un doublette brochet. Allez, on va mettre les deux dans les puissettes en même temps. C'est parti. Et voilà les amis, regardez, un magnifique doublé de deux brochets. Donc un très gras. Et un autre vraiment très fin, donc sûrement un mâle et une femelle. On va les mesurer et les remettre à l'eau. Donc deux beaux brochets qu'on va remettre à l'eau. Donc on a un brochet de 61 cm et un brochet de 56 cm. Donc on va les regarder repartir, si on arrive à les remettre. Parce que parfois ils se mêlent un petit peu. Je crois que le gros s'est barré. Ouais, donc là, il n'y a plus que le petit à relâcher. Et voilà, les amis, le deuxième petit brochet est parti. Magnifique.
les amis, départ au vif pour mon ami, son bouchon est complètement coulé sous l'eau. Donc il ferre quand il a envie de ferrer, on va bien voir si c'est il arrive à l'attraper. Il ferre. Et il a encore un beau brochet, purée. Encore un brochet émaillé. Ah ça c'est maillé ça les amis. Il est encore très très gras. C'est vraiment un superbe brochet. Il est piqué juste au bord. Voilà. Toujours juste au bord. Alors on va essayer. Tu veux que je t'aide pour les mettre dans les puisettes? Essaye juste de pas. De pas lâcher. Tu veux que je te prenne la. Donne-moi la corde. Ça va. Un très beau brochet. Tu veux que je te tienne ça? Et voilà, un beau brochet. Là, et là, il est bien reparti, là. On le voit bien repartir. Magnifique. Départ au vif. Regardez, je zoome. On voit mon bouchon qui avance. Je ne sais pas si on le voit. Il part vraiment très, très vite. Il part vraiment très, 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 très vite. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Je vais tendre mon fil et je vais ferrer. Je ferre, c'est tout petit. C'est quoi? Oh, c'est une très grosse perche. Oh, on va la drop. Oh, aïe. Oh, la grosse. Oh, la masta perche. Oh. Oh, la big perche. Regardez, les amis, le steak. Et regardez, regardez où elle est piquée. Regardez, elle est piquée juste au bord. Avec un tout petit vif. Et voilà, les amis, une magnifique perche de 35 cm qu'on va remettre à l'eau juste là. Donc, on va la prendre et la remettre juste là. Et voilà, elle est très bien repartie. Un magnifique poisson. Les amis, départ au vif. Je suis... Non, je l'ai encore, je sais pas. Non, c'est petit. Je sais pas. C'est quoi? C'est un gros broc. Non, non, il fait 70. Quoi? Un très gros brochet, les amis. Ah ouais, il fait 80. Un brochet de 80, les amis. Un brochet de 80. Il fait un beau combat. Je vais desserrer un petit peu. Enfin, 75-80. Voilà, ouais, 75. Putain. T'inquiète, prends ton temps. Il a fait un beau combat. Il est pas encore fini. Prends ton temps. C'est bon? Non, il est mal mis. Passe. Tiens, juste tiens là, tiens, contente-toi de tenir la corde, je vais gérer le reste. Je vais gérer le reste. Voilà. Là on peut y aller. Il est grand. Il est piqué juste au bord encore. Oh, il fait pas 80, 75. Voilà. Lève d'un coup, lève d'un coup. Et voilà, un superbe brochet. Et bon voilà les amis, regardez. Un superbe brochet de 87 cm. Un très très beau poisson, très gras. Donc pareil, on va le remettre à l'eau. Voilà, donc là on l'a remis à l'eau. On va juste essayer de le faire partir. Ah, le oui, maître, il était le maître, j'avais réussi à le faire partir comme ça. Et voilà, et regardez les amis, on le voit partir. Un magnifique poisson de 87 cm. Les amis, je vais avoir un départ au vif. Donc là je pense que mon vif a été avalé. Et que le bouchon ne coule pas parce que il est au fond. Mais regardez, voilà, ça part. J'ai un beau départ au vif, les amis. Mon bouchon est en train d'avancer. Et vous allez voir qu'il est coulé sous l'eau. Regardez. Allez, un beau départ au vif après 10 minutes de pêche sur cette session. Et là, c'est bien coulé. Et ça part dessous, regardez, ça part dessous. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Oh, c'est gros, ça tire. C'est quoi? Ah non, c'est un tout petit brochet. Et voilà, il s'est décroché, super. Donc un poisson supplémentaire. Magnifique. Les amis, je pense que j'ai un départ au vif là. Les amis, je pense que j'ai un départ au vif là. Mon bouchon a beaucoup coulé. Là, il s'est complètement ralenti. Mais il y a à peu près 10 secondes, il était très coulé. Donc je ne sais pas du tout s'il est encore dessus. Je vais essayer de faire la mise au point parce que c'est très flou là. Je vais remonter. Ouais, les amis, j'ai un gros poisson. J'ai senti une résistance. J'ai un très gros poisson. Regardez, ça part. Ça part tout doucement, mais ça part sûrement. Ça part tout doucement, mais ça part sûrement. Donc je vais tenter un ferrage. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Oh, j'ai un gros brochet. Et voilà. Oh. 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 Voilà. Un beau brochet.
Il, regardez comment il tient bien le fond là. J'ai un gros vif, donc il peut peut-être se décrocher s'il l'a pas avalé. Ah, c'est un beau brochet en tout cas. Un superbe poisson. Et il fait un super combat en plus. Un magnifique poisson. Je le vois, l'hameçon est vraiment piqué juste au bord en plus. Donc ça, c'est un poisson d'environ 58 à 60 cm. Donc un très très beau poisson. J'ai un beau départ au vif. Mon bouchon est complètement coulé sous l'eau. C'est pour moi, c'est un départ de brochet, ça. Alors, je sais pas du tout quelle taille il peut faire. Là, le bouchon est juste sous la surface. Et le fil, il commence à partir. Donc le fil va se tendre. Quand le fil sera tendu, je ferrerai, tout simplement. Voilà, donc là, le fil se tend. Donc, on va laisser le fil se tendre. 3, 2, 1. Ferrage. Ouf. J'ai un poisson. Ça a pas l'air trop dégueu. Qu'est-ce que c'est? Ça tire fort. Ça a l'air petit, mais ça tire fort. On dirait un cendre. Est-ce que ce serait... C'est un beau cendre, les amis. Un magnifique cendre. Purée. Il est piqué juste au bord. Regardez ça. Attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, on voit même l'hameçon qui dépasse. Un magnifique poisson. Superbe. Allez, rentre dedans. Voilà, là, il a l'air d'être dedans. C'est bon, je l'ai. Et voilà, les amis. Un magnifique cendre. Bien gras. De 48 cm. On va le remettre à l'eau. On va attendre qu'il reparte. Là, il devrait pouvoir. Et voilà, il est sorti. Une superbe relâche. J'ai encore un départ au vif. Mon bouchon est complètement coulé et il part vraiment très vite. Alors, je vais laisser encore une fois le fil se tendre et ferrer. Voilà, il revient vers moi, donc le fil va pas se tendre. Donc, je vais mouliner un petit peu. Ferrage dans 3, 2, 1. Ferrage. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un tout petit brochet. J'espère qu'il va se décrocher. Il fait 40 cm. Allez, j'espère qu'il va se décrocher, celui-là. Oh, il est piqué vraiment juste au bord, mais il va pas se décrocher parce qu'il est, il est bien piqué. Je l'ai bien ferré après, donc c'est normal. Allez, on va le remonter et le remettre à l'eau. Et voilà les amis, un tout petit brochet d'environ 45 cm. Donc piqué juste au bord. Regardez, on voit la grappe avec l'hameçon piqué juste ici. On va le remettre à l'eau. Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo avec de nombreux poissons semblables à ni placement de produit. Je vous souhaite par avance un joyeux Noël et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos.